La mort sans jour, mon repos t'en demain. Et pour chanter vidi. Napton Chalali. Napton Chalali. Napton Chalali. Pas de chabat au visite dans 5e dans l'Ali. Bon là, il y a ni là. Dossier politique et corruption, député républicain George Santos retourne travail dans le Congrès, dans la Cour Washington DC, après avoir été acquis devant la justice dans New York. Il a gagné pourtant une sentence sous 13 chefs d'accusation. Il a pesé sous dol, mais il fait connaître tout, il est capable de passer 20 ans en prison si toutefois il a condamné. Vivini, bonjour, bonsoir tout le monde, ou connecté Sofia TV 83. Il y a une autre fois encore un grand plaisir pour informer ou, mesdames, messieurs, si vous pas pressé, mes nouvelles là, n'a bon gentil mamite. Haïti, dossier politique, ancien colonel la médaille, Himmler Rebu, dit li regrette, peuple haïtien, pas qu'à résoudre problème insécurité à, nan opération Bois Calé. L'État absent et l'État a doué prendre mouvement ça en main, ouais, comment pour être capable de régulariser sécurité à, cependant, c'est peuple là qui lance le, dans une bataille pour qu'on parle et résultat, yo pas poté gros fruit, selon ça, le fait qu'on est. Côté, il y allait plus loin pour le dire, Milan Maniga fait pays à honte. Il va penser, madame, n'est-ce pas, fou, t'es dit, non, bagaille sale comme ça. Pendant ce temps, c'est même équipe mafia, ça, yo cap essayé, ou en qui moyen, yo cap solide pouvoir, et en même temps, yo fou, t'es yo dans la boue, à continuer à marcher tête baissée devant communauté internationale là. Colonel là, allait plus loin pour le dire, Ariel Henry, pas de l'autre choix, réunit plusieurs mounes dans la société civile là, chita parlé sous sécurité là, et enfin, yo pral fin de venir. Yo consensus ou comment yo kab débloquer pays ya. On peut parler d'un dossier ça ou pas capable saisir qui Jean Milan Maniga a marché tête baissée Bois Calé a fait chemel colonel l'a dit les peuples a fâché bagay yo pral pi grave ça nous wè c'est troquette là chaila derrière. Mesdames messieurs, si vous voulez entendre plus de détails, comprendre réalité, actualité à plus, en écouter yon extrait ak colonel Ilem Rebu qui t'a répondre question ou Benson Alphonse sous Magic 9. Grand image quand nous sommes dans la colonie de Saint-Domingue. C'est 10 à 15 000 personnes qui ont maltraité 500 à 600 000 personnes. Bonjour, 500 à 600 000 personnes qui ont mangé 10 à 15 000 personnes quand même. En ce qui concerne la parole, Mme Maniga, moi-même personnellement, si je l'ai revu en tant que citoyen, je ne vais pas faire commentaire sur Mme Maniga. Parce que son monde, quand plus de monde qui a respect pour lui, à tort ou à raison, ça sont l'autre question. Et, des décisions qui prennent dans le secteur qui entoure elle, moins sûr, c'est plus des mafieux qui entoure elle qui poussent leurs décisions, ça. Ça, c'est pour faire ça, tout le monde connaît elle. Maintenant, vous voyez qu'elle est à beaucoup commencé. L'idée constate, le mounio te al, apprenio à bien personnel, madame Bozil et puis d'autres leaders politiques. Livine une réaction pulsionnelle qui passait qu'on a pu faire. Mais c'est une information que la population voyait par nous pour dire que les gens qui cherchent à faire attention. Parce qu'on veut qu'on ait débarqué la caillou. Faut stopper le cinéma pour ne pas besoin de l'on va remplir le monde, perdre la vie, ou perdre du bien, ou grand merci, ou peut-être deux, trois acteurs que nous tous connaissons qui ont fait blague. Parce que madame, la femme de Leslie François Saint-Roch Maniga, que je connais, n'a aucun capable de permettre d'associer à une mascarade qui est les bagailles à CTA. Elle n'a aucun pouvoir, ni pas même le pouvoir de un conseiller. Et avant, sa bagaille a été sortie, moi j'ai dit ça, je me demande est-ce que vous parlez pas bien. Maintenant, non, mais, colonel, vous dites qu'elle est entourée par des mafieux. C'est-à-dire, elle est en situation de sécurité, je ne comprends pas. C'est elle qui décide ou c'est des gens qui décident à sa place? C'est de toute façon supposé, si on t'a apporté papier ça, qui arrête ou saleté, qui nomme Mme Maniga dans HCTA, Mme Maniga, la femme de Leslie François Saint-Roch Maniga, qu'on est à Lille, lui t'a dit, mounan, allez refaire votre copie. Parce que je ne maintenant, si ça dit que faut ne pas attacher la session date 7 février 2024 là, et qui dit bon. Pratiquement implicitement indiqué que le gouvernement ça, par contre, il est mandat à la vous pouvez commenter rapidement.
Bon, le problème des dates, son rituel lié avec Madame Maniga, qui toujours n'a fait 15 mai, il est toujours parlé de ça, et quelque part, guérison. Et ça veut dire que, afin de fixer un momentum politique à des dates, tellement qu'il y a des facteurs sociologiques et politiques, économiques qui ont modifié, qu'on va pas être esclave à une date. Ça, je le lui accorde, et son vérité. Maintenant, est-ce que ça veut dire, par des dates, donc, pour nous rester avec Roi Ariel Henry, pour jouer plus de monde qui a besoin pour patate, à rentrer en d'un des autres, ça, pour faire plus complicité dans l'assassinat des gens, la position du gré, et ma position comme citoyen, la réponse, c'est non. Faut nous faire exactement ça que nous faisons, pour nous faire, pour nous aider ces pays-là, et ce qui doit être fait, tout le monde connaît, tout le monde ouelle, tout le monde connaît qui ça pour nous faire. Ceux-là qui choisissent par aisance de plonger dans masse la boue, pour capter certaines petites satisfactions personnelles, c'est leur choix, et il a fait face à conséquences, jour pour faire face à conséquences. Ça fait longtemps qu'il a agité une question de un forum sur la sécurité. Tout effort fait, du point de vue humain, du point de vue intellectuel, du point de vue technique, on comprend l'idée, mais pas qu'à comprendre. Un forum, son espace côté gain plusieurs monde qui a changé l'idée son sujet. Maintenant, afin pour yo cap arriver à une conclusion et conclusion capable permettre yo prendre des décisions. Comment yo capable discuter de un problème de sécurité un pays en public? Beaucoup gens comprennent l'idée ça. Moi j'ai rencontré plusieurs structures dans le secteur universitaire là. Côté nous échanger idées sur sujet là. C'est normal que l'université à travers le monde représente une sorte de think tank de réflexion pour la nation. Mais il y a des sujets, chaque sujet a un caractère par eux. C'est quand vous pouvez réunir tous les techniciens qui viennent dans le pays sur la question. Hein? Et puis vous pouvez discuter en public de bagailles pour régler les problèmes de sécurité pays. C'est totalement en dehors des règles. C'est totalement anormal et à la rigueur, ou t'as même cap dit c'est un mensonge collectif que nous voulons bailler pays. Parce que pas de aucun cas côté ou capable poser, proposer des solutions pour problèmes de sécurité au pays en don forum. Moi, pas capable comprendre comment deux monde qui a l'école, deux monde qui atteignent un certain niveau, capable même dire qu'on bagaille comme ça. Voir pour yo, non seulement yo fin dit, et puis yo, pour yo penser, pour yo ta faire, effectivement. Tout j'en vire dans tête, même pas comprendre, à moins que qu'on y ait, son cinéma que yo voulez monter, parce que même pas comprendre comment yo capable de mettre dans tête yo, pour yo discuter en public des problèmes qui liés à sécurité en pays, de manière globale, et puis gravement à l'entendement, de propre moun yo gen pour yo réagir contre yo. Donc, tout est fait pour me comprendre, pas qu'à me comprendre. Ça fait plusieurs mois de discussion, ça, là. J'ai donné mon opinion. Maintenant, si on veut faire une blague, yo capable de faire. Mais moi, penser, si on conscient, discuter des problèmes de la sécurité d'un pays, c'est vraiment tout simplement pas sérieux, ou bien de moun qui est totalement dehors de la plaque, qui par contre ne quisait pas. Maintenant, réfléchir et bon côté gouvernement sur question de sécurité, c'est des missions qui attribuent au conseil de la transition déjà de manière normative et conceptuelle. Est-ce que déjà là, il y a un petit problème, mais à la base, compte tenu du fait que HCTA sont une entité qui n'a pas aucun ancrage administratif, aucun ancrage institutionnel, aucun ancrage d'appareil sécuritaire et pays à colonel ou pas? Mais HCTA sont fiction. C'est une fiction que des mondes qui croient intelligents ou bien qui croient puis mettre dame passer tout le monde capable de créer deux bagages apparents pour yo faire miroiter dans yeux monde qui pas comprendre ou bien dans yeux des associés complaisants pour capable passer pays à dans bêtise. L'on prend document qui va accepter à existence. Il dit très clairement d'abord faut commencer par dire que HCTA sont mauvaises copies. Idée que Montana a développé pour un collège présidentiel. Un collège présidentiel qui pour remplir les fonctions du président de la République
qui pour bailler légitimité à toute décision que vous pral prend. Comme yon gon raison, yon pas vrai de ça, yon contourne li, et yon pren bagay yon rele acheter, yon mette dans figure nous. Le papier yon ba acheter à naissance, qui ça yon dit? Moun sa yon capable réuni autant de fois que yon vle. Mais yon réuni avec le premier ministre une fois par mois. Le réuni entre yon, yon pren des décisions, yon soumet, songez verbe là. Y a soumettre décision yo pran yo sous forme de résolution à premier ministre là. Donc premier ministre là, c'est le roi. Là ou fin décider que bagay entre yo, yo pran soumettre à volonté sous forme de résolution. Yon résolution qui s'allie, c'est expression yon désir, yon pensée. Li pas obligé moun ka recevoir là à rien. Maintenant, comment on est capable de faire une base, c'est base légale existence, bagay que le HCTA. Donc, le HCT, en de concept, il n'y a aucun pouvoir de décision dans rien qui lié à l'administration pays. C'est tellement vrai. Et moun qui l'a donné, et les gens qui concevoir là, tellement concevoir pour ça, comme étant une entité nulle et juridiquement inexistante, que l'on dit que moun sa yo qui n'a acheté ya, si y a utilisé l'argent l'État, yo pas ordonnateur. Donc yo pas gen responsabilité. Donc c'est passé toute une nation en bêtise pour faire comme si dans deux bagailles qui ont même sérieux. Donc, bien une situation précise, Dr. Ariel Henry, ouais, que toute bagaille, par exemple, Dr. Ariel Henry dit que le nommé la Cour de cassation. Est-ce qu'on imagine gravité un bagage comme ça, un coup aussi important, à partir de laquelle il est capable de rétablir la justice, parce que le seul vrai problème d'Haïti aujourd'hui, c'est un problème de justice en toute matière. Justice pour moun qui est victime de tout l'argent que on pile malandré volé à faire payer étranger cadeau. Parce que les al déposé comme là dans le pays étranger, ils ont fait ça, ils ont fait peut-être une illusion qu'ils ont utilisé. Mais c'est cadeau, fait cadeau. D'ailleurs, le Canada te dit nous ça. Comme les gens qui ont saisi, ils n'ont pas retourné à Haïti. Il y a un outil d'aide humanitaire, s'il le faut. Donc, c'est un problème de justice qui va gagner. Justice sociale, justice dans la gestion de l'économie, justice par rapport à respecter les gens. Comme on comprend au cap dans le pays, il a massacré mon toute la journée. De là, Dr. Ariel Henry monté là. Il y a plus de près de 3 000 à 4 000 monde qui perdu la vie. Pas jamais un monde qui toujours dit quoi que ce soit. Chaque bagaille pour yon régler, yon prenne yon fond cinéma la donne, parce que yon estime yon plus intelligent ou bien yon plus mesdames. Nous pas qu'à fond pays ça. Donc, le HCT en tant qu'entité n'a aucune existence juridique. Et parce que pas d'existence juridique, il n'y a pas aucune décision. C'est des gens qui sont capables de faire opinion. Quand on a fait opinion dans la radio. Donc, cette idée que vous avez pour faire un forum sur la sécurité nationale, c'est pas ce qu'il faut faire. Si on veut résoudre le problème, non vraiment, il a fait exactement ça, gré. T'es dit, docteur Ariel Henry, le 8 août 2021. Réunis environ 11 techniciens dans chaque branche qu'il y a à la sécurité, il a dit exactement qui stratégie qu'il a utilisé si on arrivait faire un bon diagnostic de problème là. Parce que tout problème n'a vivre en Haïti là, son vrai faux problème, c'est de malandrins qui kembe pays en otage pour protéger tête yo, pour protéger bandits pareil yo. Mettre la population dans sa vie là pour ne pas jamais faire face à la justice. Tout le monde qui a mouru, tout le monde qui a perdu caillou, pas de 20 personnes en Haïti qui ont passé tout ça passé. Donc, s'il propose les problèmes sérieusement, tant que tu as posé problème, non, je le fais pour le poser, mais pas après le peuple à le mettre dans le cinéma. Et c'est comme que tu as dit, il y a un forum tout, pour qu'on ait des gens pour faire opération dans l'hôpital. Parce que ce sont des problèmes techniques qui ont un mode opératoire, des codes à respecter, des normes à respecter tout simplement. Le cœur fait ça que la science dit dans le domaine.
qui te mettait au cours au conseil de la transition, gain la dernière représentant secteur privé, gain la dernière représentant protestant, gain la dernière madame Maniga qui représentait secteur politique là, et gain appui donc les associations patronales récemment, plusieurs associations patronales, l'exception de Haïti Parti, ils ont été invités dans l'ultimatel, les acteurs politiques à rejoindre l'accord de Montana, la communauté internationale et dans différentes expressions qui supportaient l'accord 21 décembre, et bien que ont souligné que ont fait un processus plus large. Et il y a mon gars Gadeli, il a dit cette mise en place là, que vous avez cette analyse assez critique, assez abdolée, c'est expression de volonté de certains acteurs politiques, d'une partie de la communauté internationale et de la partie pratiquement organisée du secteur privé. Et c'est un consensus pour avoir ça et ses résultats ou pas. Et moi, je comprends sur partie ça. Non, mais il y a seulement une entente entre ceux-là qui ont participé à l'assassinat du président de la République, pour qu'ils puissent protéger Tétio, pour qu'ils puissent protéger les vrais criminels, et pour qu'il y ait une population dans ce lieu-là. Ils ont signé quelque chose de ressemblant le 11 septembre. Comme ils ont fait ça, pas marcher dans le corpus social, parce qu'ils ne pas répondre à aucun problème réel, sauf à un bagage mafieux, et de monde qui désirait apaiser soif ou bien faim yo pour qu'ab rentrent dans l'état al prend petit bout de paio, ça n'a pas réussi. Ils ont refait la même chose avec presque les mêmes personnes le 21 décembre. Donc jusqu'à ce que l'éternel tourne, yo qu'ab continuer monter de films pareils, mais pas aucun monde sérieux qu'ab rentrer dans des démagogies comme ça face à la souffrance insupportable de la population. Ce serait une participation au crime contre les femmes qui sont violées, contre les enfants qui paguent un professeur, contre les enfants qui paguent à l'école, contre les enfants qui regardent maman avec papa ou qui tremblent de peur devant deux trois bandits qui alimentaient par pour monde qui dégaine pour protéger. Donc quand on arrive là, il faut la communauté internationale. Mais la communauté internationale n'est pas notre tuteur, ils sont pas responsables de nous. Et ils ont manqué nous des gars tout le temps pour dire nous ça. Maintenant, sauf que, ça que j'ai remarqué, en Haïti, les bandits, les vagabonds, les incompétents, ils ont très forte capacité pour remettre des têtes ensemble. Et ça vient très difficile auprès des gens qu'on appelle les intellectuels ou bien les pseudo-monde de bien. C'est son véritable drame sur le plan culturel et c'est causé dans ce drame ça pays a posé. C'est évident, docteur Ariel Henry, il y a 22 mois là. Qui seul problème lui manque, lui porter une demi-solution. En matière de sécurité, qui seul initiative lui déprend, ou te dit lui déprend une initiative qui logique, mais malheureusement ça n'a pas réussi. Aucune initiative. Aucune empathie face à mon, y a massacré. Y a massacré dans l'homme, yo, dans le corps, yo, dans le bien, yo. Pas un seul mot. Mon chien mourir à l'étranger, lui voyait ses bâtiments. Mais mon a mouru, le dernier rapport organisé des droits humains a publié, pour être qui quantité mon mouru, on n'est pas en situation de guerre. Et pour résoudre le problème, n'a fait faux fuyant passer à côté, et maintenant les États-Unis qui patronnent Haïti, parce que c'est titre et grade ça, poste ça que nous balis. A marché passé nous dans le matin, matin ça avec le Canada à la pointe de Bouvini, demain matin c'est le Mexique, après-midi c'est la Jamaïque, et jeudi ensuite c'était Équateur, qu'on y a le bon lève Brésil. Mais côté qu'on traîne un pays dans la boue comme ça, et nous accepter ça. Et une grande partie de la population participait dans une forme de complicité dans le silence, par la peur. Mais il ne faut jamais oublier que la souffrance, au niveau extrême, l'arrivée,
sont vecteurs de rébellion et la rébellion frappe à nos portes dans plus longtemps qui est obligé de faire attention. Suite à un filati samedi 15 avril passé, la police a arrêté Pierre Roberto, 35 l'année, pour implication présumée dans le trafic d'armes, avec munitions et puis association malfectée. La police découvrit tout la caille malfrat dans le local Le Goûter Nightclub dans Delma 32. Dans le moment, plusieurs matériels illégaux avec une somme d'argent, plus passé 4 millions de gouttes saisis. Malgré ça, Roberto vous rejeter toute accusation sa yo. Mon Jimmy Tech. Business mon fans à ma Jimmy Tech, c'est l'aime sur l'autre bord, c'est ma téléphone, à laptop, mon bal van. Ça a fait que ça me dit, pour décoder, mon bal yo, le décoder. Combien de temps vous avez de vous dire? Pendant une autre séance audition, Jimmy Féville ba yon l'autre version sur raison qui fait le dénoncer à Colette Lian. La police a continué travail pour mettre en bacode tout individu qui est impliqué de près ou de loin dans un banditisme si tout le monde qui a fourni gang aux armes à Katouche pour continuer à faire victime dans la population. Dans la vie, on sait le bagage à prendre dans le CPJ. Pas faire mon confiance. On moun ou elle, sous ka salil salil. Même appel, on va lui faire un moun. On appelle seulement ka piejo. On appelle seulement sa mizouan ka go tout côté. Moi-même, ça me dit, m'apprendre ça. La police a arrêté Jimmy Féville, alias Jimmy Tech, avec un pistolet 9 mm pendant une fouille fausse l'audio t'a fait sur route Tiojo. Pour tenter de défendre lui, Jimmy fait qu'on est, c'est pour le capable de protéger le business lui acheter des armes ça. T'es une fouille, bon canado. Je t'ai campé, même si c'est mon belé, même des business en bâton. Qui business en bas, belé? En même des petits robots. Mais en bas, on toujours aller toucher quoi. Parce que chaque deux jours, chaque trois jours, toujours après les mal touché, mal cassé, je là, les pleins. Nous avons mis du téléphone tous les matins, nous avons vendu le téléphone. On a acheté dans le bol. $2,000. En IPS. On a vendu le James. Côté James, ça? Bah, on est. Pourquoi vous avez James? Dans le cas d'enquête de CPJ a mené sous arrestation Jimmy Tech, information révélée que c'est même actif gang Bilé que Kempes a dirigé. Je n'ai pas le temps de faire. Je dis son partenaire que les Ewol qui te mettait en contact ensemble avec en décembre. Deuxième fois, je vais Jimmy Tech marchandise, il était évalué à $5,000 américains marchandise. C'était 2 MacBook Pro 2018, 6 et iPhone 12 Pro. Les premières auditions ont montré preuve. Moi, je dis ça, que je ne suis pas au courant de ça. Qui est-ce que tu as montré mon photo, je me dis pas au courant. Je te pose une question, je me dis pas au courant de ça. Ça a créé une photo. Ça a créé une photo, je me dis parce que tu as vraiment quitté mon photo. Tu as montré ça, je me dis je me dis. Je comprends, il dit que ça va être un examen qui est démonté.